Aujourd'hui, nous avons montré que dans le domaine de l'efficacité énergétique, mais en plus dans le domaine de la décarbonation, il est important d'avoir un volet réglementaire, un volet sensibilisation et formation, et un volet accompagnement technique et financier. C'est tout qui doit se mettre en place en parallèle dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans les villes, dans l'agriculture. Quand vous mettez en place tout cela, le volet réglementaire, le volet accompagnement technique, accompagnement financier, sensibilisation et formation, vous pouvez obtenir les résultats que nous avons eus. Nous voyons aujourd'hui que nombre d'entreprises qui ont sauté le pas pour décarboner, pour faire de l'économie de l'énergie, mais aussi de l'économie de l'eau, de la gestion de déchets, de l'économie circulaire, du bilan carbone. Toutes ces entreprises qu'on a vues aujourd'hui montrent qu'elles ont besoin, bien sûr, d'outils financiers. Et les modèles financiers, l'AME a mis en place avec le cluster solaire un guide de la finance climatique, aujourd'hui la finance verte, qui est disponible, qui montre toutes les lignes de financement disponibles pour n'importe quel industriel qui veut décarboner. Il faut en profiter. Il y a des incitations, il y a même des subventions dans certaines lignes, donc il faut en profiter. Celles qui sont faites avec les banques, mais aussi celles qui sont faites avec les acteurs comme Maroc PME pour Tatouer Vert, comme Thermoilcom avec la Caisse Centrale de Garantie, l'ex. Donc nous avons aujourd'hui des lignes et nous avons parlé aussi des Green Bonds qui ont été développés par Banque du Maghreb depuis la COP. Et nous avons aujourd'hui des financements dans ce domaine. Et il faut en profiter pour tous les grands projets renouvelables comme pour tous les milliers de petits projets de décarbonation des industriels, mais aussi du pompage solaire dans l'agriculture, on en a parlé aussi, de tous ces secteurs aujourd'hui, parce que tout le monde doit vivre cette transition énergétique. C'est pas seulement protéger l'environnement, c'est baisser sa facture énergétique, surtout dans le contexte actuel où l'énergie coûte cher. Donc il y a un volet comportement qu'il faut changer, et j'invite, dans le contexte aujourd'hui où le prix du carburant est devenu très élevé, à ce que ceux qui ont des voitures, qui conduisent et qui se plaignent de la facture, aussi voir comment on peut faire de l'éco-conduite, comment on peut baisser sa facture d'énergie rien que par certains comportements. Tous ces comportements sont sur notre site web de l'agence pour voir comment, quels sont les conseils par les comportements, comment baisser sa facture énergétique. Ensuite, c'est toutes les possibilités d'accompagnement pour les industriels, pour décarboner. Il faut en profiter aujourd'hui. Ce qu'on disons aujourd'hui aux industriels, c'est pas seulement parce qu'il y a une taxe carbone aux frontières qui arrive en Europe. Pour nous, pour n'importe quel industriel, c'est baisser sa facture énergétique. C'est avoir, être plus compétitif. Donc, c'est cela. Et les outils financiers qui sont mis en place, il y a parfois des subventions, je disais jusqu'à 10-15% de subventions dans certaines lignes de financement, pour chaque action d'investissement dans l'économie d'énergie, dans l'utilisation des énergies renouvelables, dans la mobilité. Tout ça peut en bénéficier dans l'économie circulaire et dans l'économie de l'eau. Vous savez aussi le stress hydrique que nous vivons dans notre pays. Il faut absolument que tout le monde tienne compte et que fasse les efforts nécessaires pour ces investissements qui sont rentables. Hein, c'est de la protection de l'environnement, mais c'est de la rentabilité aussi. C'est la première fois que nous aurons le plaisir d'organiser une convention de ce type. Elle nous permet de réunir l'ensemble des acteurs qui partagent la volonté de financer notre économie d'une façon plus durable et de contribuer à un développement économique plus inclusif. Un bon exemple est lié à l'accord que nous avons signé avec la Banque européenne de reconstruction et de développement. Et nous avons négocié une enveloppe de 25 millions d'euros, donc à peu près 250 millions de dirhams, pour justement contribuer à des financements verts et des financements plus responsables. Ces financements sont destinés à tout type d'industrie. Ils doivent permettre soit de favoriser la transition énergétique, soit le recyclage des déchets, soit encore tous les sujets qui touchent à l'eau. Il n'y a pas de limitation. Cette politique, nous avons déjà commencé à la décliner au Maroc. Et l'horizon 2050 nous paraissant un peu trop lointain, nous avons décidé de prendre des objectifs qui sont calés sur déjà 2025 au niveau du groupe BNP Paribas et que nous allons décliner également au Maroc au travers de la BMCI. Donc ces objectifs sont de 150 millions d'euros de financement de crédits verts, 250 milliards de financement au travers d'obligations vertes et 300 milliards d'euros d'épargne qui serait orientée vers l'ensemble des activités vertes.